vous avez des questions par rapport à mon arbitrage. Rien de particulier, juste à toute l'équipe, bonne chance et amusez-vous bien. C'était le dernier match de Salève, il restera gravé pour lui, c'est évident. Hein. La dernière, c'est un vrai déchirement, je crois. On a beau rester dans l'arbitrage, parce que je pense qu'il a des projets d'être formateur, d'être coach d'arbitre, etc. Mais indiscutablement, quand on quitte le terrain, quand on pose le sifflet, c'est un vrai déchirement. Voilà. En fait, quand on arrive à l'arbitrage au niveau, ce qui fait la différence, c'est des petits détails. Et c'est ça que j'ai appris à maîtriser. Il vaut mieux choisir que subir. Et je laissais beaucoup de choses au hasard. Et justement, c'est ce qu'on appelle l'expérience peut-être. C'est que après je travaillais sur des petites choses pour ne rien oublier. Et tout un petit protocole, c'est pas grand-chose. Et après, avec l'expérience, on apprend à pas du tout se mettre la pression une semaine avant. On se rend compte que ça sert absolument à rien, que en fait, ça nous bride plus qu'autre chose. Ben Salève, c'est un exemple. C'est un exemple d'arbitre qui a fait tout ce qu'il pouvait en top 14 et il l'a bien fait. Et c'est une vraie reconnaissance que de l'avoir mis là, je pense. En tout cas, nous, on tenait à le mettre sur ce match hein, pour qu'il parte avec ce fabuleux souvenir. Ce qui est important pour lui, c'est que ce match soit remarquablement bien déroulé, qu'il y ait eu un beau match, du monde, du soleil, qu'il ait été mis à l'honneur. Et puis, il faut bien le dire, il a grandement contribué à la qualité de la rencontre. Voilà. Donc on est très fiers de tout ce qu'il a fait. Maintenant, on lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions, puisque je suis sûr qu'il ne quittera pas définitivement l'arbitrage. C'est une belle fin, c'est une très belle fin. La finale a été exceptionnelle. La peur de l'arbitre, c'est de toujours peser dans les rencontres. Et je prépare le cœur léger. J'ai joué 15 ans, j'ai arbitré 17 ans. Et j'espère encore former et coacher pendant 15 ans. Je suis très heureux. Ce match était fait pour moi, c'est incroyable. On aurait dit que ce match était programmé pour moi parce que c'est un peu mon style d'arbitrage, avec beaucoup de jeux. Je suis un homme et un arbitre ravi. L'homme a grandi, l'arbitre a grandi. Et je suis encore très très heureux. Et je vais pouvoir m'occuper des jeunes, un peu les conseiller. J'ai encore de bons challenges, donc je pars très heureux. Et même si je fais rien dans l'arbitrage, j'irai entraîner les petits Saint-Claudiens. Et ouais, dans le rugby, il y a toujours plein de choses.